Salut, salut famille, comment vous allez? Encore votre humble serviteur Steph de Shark TV. J'espère que vous allez bien. Le samedi aussi se passe très bien, j'espère. Voilà. Bien avant de commencer ma vidéo, vous êtes beaucoup à déjà vous manifester. Moi, ce que je peux vous dire, n'hésitez pas. Comme je vous ai dit dans ma première vidéo, quand j'annonçais ce business, je suis le chargé de communication de l'entreprise Multiservice Côte d'Ivoire. Voilà. La patronne, c'est Madame Habibata Fofana. Son Facebook, c'est Habibata Fofana. N'hésitez pas. Son numéro WhatsApp, son numéro de contact pour l'appeler directement. Mon numéro aussi sont en description dessous de cette vidéo-là. Donc, n'hésitez pas. Prenez le numéro en cas de besoin. Il dit bien tout type de véhicule et à bon prix. Voilà. Vous aurez seulement à faire les démarches du port. C'est tout le dédouanement. Sinon, le transport et l'embarquement, tout c'est elle. Vous aurez seulement qu'à sortir le véhicule du port, c'est tout. Donc n'hésitez vraiment, vraiment, vraiment pas. Voilà, n'hésitez pas. S'il y a quelque chose, vous m'appelez. C'est tout. Voilà, c'est quelqu'un de correct. C'est une dame vraiment, vraiment correcte. Donc, je peux vous rassurer que vous n'avez pas à craindre. Lancez-vous, lancez-vous, lancez-vous. Voilà. Moi, tout le monde sait où j'habite. Tout le monde sait ce que je fais. Donc, pas besoin de s'inquiéter. Voilà. Bon, j'ai la vidéo, vous le connaissez déjà, hein. Je vais aller droit au but. En fait, moi, c'est quelque part donner un conseil à ce grand frère-là. Voilà. Moi, c'est ce que je dis au passage hein, pour les illettrés, les gens qui ne savent pas, qui se passent tout le temps à chuter là. Je ne déteste pas le mec. Voilà. C'est son comportement qui ne me plaît pas. Et puis, je vais lui dire toujours. Voilà. Parce que je ne veux pas comprendre un mec. On lui fait des reproches, mais il ne se reconnaît jamais dans ces reproches-là. Il trouve toujours à se justifier. Il trouve toujours que c'est tout le monde qui est contre lui, en fait. Souvent, il faut se remettre en cause. Bref, voilà autre chose. Oh, deux trucs, c'est quoi? Vous vous rappelez pour le Bataclan? Tu es allé sur Bang préparer ton album. Eux, tu veux désirer et tu désires être le premier artiste compétent et nous ramener un disque d'or. Ça, c'est louable, c'est un bon projet. On ne peut que t'encourager dedans. Mais quand tu fais ce genre de direct, ou à la limite, tu te moques de tes collègues, comme toujours. Franchement, je me demande comment tu vas bien faire pour avoir ce disque d'or là, quoi. Franchement, moi je te souhaite, je mets ma main au ciel, je souhaite vraiment que tu aies ce disque d'or là. Mais ton comportement même l'empêchera, sincèrement. Parce que je ne peux pas comprendre que tu vas pour un objectif, bref, tu ne peux pas faire table rase de tout ce qui est autour. C'est ce que tu sais faire d'habitude, tu ne peux pas faire pause dessus, te concentrer sur ton album, mettre toutes les stratégies en place pour te sortir ce disque d'or là. Qui va encore revenir dans les mêmes bêtises, les mêmes conneries, de vouloir te moquer de tes collègues. Bon, Debordeaux a dormi dans le salon là, il vit plus. Sa maison qu'il paye à Angry là, c'est toi qui l'aides à payer. Il vit bien. Arrête Chine, d'après toi, il a tapé poteau là. C'est pas un conseil. Lui aussi va dire, il a fait son premier conseil aussi. On comptait ça comme un conseil. Un conseil, c'est un conseil. Moi, tout ce que je veux te dire là, je pense que pour une fois, tu dois faire preuve d'humilité. Hein, Grando? Tu dois faire preuve d'humilité. Souvent, il faut faire semblant. Tu ne peux pas demander à tes amis de te suivre. Tu dis pas? Venez, on va travailler ensemble. Tu dis, suivez-moi. Suivez la Chine. La Chine, c'est qui? La Chine, c'est un mouvement que tu as créé dans ton esprit. Et puis, tes adeptes t'ont suivi, c'est tout. En fait, quand tu dis suivez-moi, à la limite, tu ne respectes pas tes collègues, en fait. Parce que si tu respectes tes collègues, tu veux leur dire, les gars, bon, en fait, ta brasse, c'est qu'il y a les mouvements, vous m'avez frustré, je vous ai frustré, tu as le discours, trouvons les moyens, le mouvement va décoller. Mais toi, tu es toujours dans ton objectif de suivez-moi, suivez-moi, suivez-moi. On te suit pour aller où? Franchement, si tu veux vraiment la paix dans ce coupé décalé là, change d'abord ton comportement, vipère. Faut changer le comportement là. Parce que beaucoup d'hommes ne sont pas allés à ça. Ta seule chance que tu as des fans fidèles, c'est tout. Sinon, beaucoup en ont marre. Beaucoup en ont marre. Je sais qu'il y a plein de tes collègues même qui sont fatigués. Mais comme ils ont peur, ils n'osent pas te le dire. Ils sont fatigués. Actuellement, où tu es arrivé là, tu veux dix d'or. Même moi-même, si je partage le lien, si je suis sur mon compte Facebook, il y a au moins une personne qui peut se permettre d'aller acheter le dix. Si tu es d'accord avec tout le monde là. C'est juste, on va sortir tout le. Ce ne sont pas tes fans seulement qui vont te donner ces 10 dollars là. Parce qu'en Bengue, là-bas, on ne te connaît pas. Tu sais ça. Tu dois faire la paix ici d'abord. Franchement, tu dois faire la paix ici. Par exemple, je veux ces 10 dollars pour toi. Change ta manière de faire. Fais preuve d'humilité au moins pour cette période où tu cherches ton 10 dollars là. J'en ai fini. Merci.